Bonjour à tous, ici Dingo Dorwan. Aujourd'hui, ça fait un an que je possède la caméra Dafong. Donc, je vous avais fait une petite review déballage. Donc, elle a apparemment beaucoup plu. Bon, c'était juste un déballage, une découverte avec un petit test en même temps. Je ne savais pas qu'elle faisait tracking. Donc, personne ne le disait dans les vidéos. Donc, j'étais l'un des premiers à le dire. Donc même si j'ai pas beaucoup d'abonnés. Donc ici vous voyez, hop, vous voyez Dingo d'or. Donc ça c'est Dingo d'or, un faisan qui squatte mon jardin. Donc il s'éloigne ici, si vous avez vu ici. Donc il était au départ ici et est parti par là, hein, vous voyez. Donc la caméra elle fait son travail. Donc on va passer en revue un petit peu les différents paramètres de la caméra. Donc depuis un an, donc quand je l'avais reçue, elle fonctionnait parfaitement. Donc le mode tracking était un peu plus difficile. Donc je vais peut-être vous mettre en plein écran. Ça, vous pouvez voir un petit peu. Comme ça, voilà. Hop, comme ça, vous avez un petit paysage. Vous avez ma vue habituelle de ma maison. Donc, au départ, donc comme je disais, donc on avait les performances de la caméra au niveau du tracking n'étaient pas très très performantes. Donc Xiaomi a essayé de la corriger au fur et à mesure, ce qui a créé des perturbations. Donc comme problème de carte SD, problème de vidéo records, donc les problèmes d'enregistrement vidéo, les problèmes de transfert à votre NAS. Donc tout ça depuis une dernière mise à jour ici a été réglé, donc plus de problèmes donc de mise à jour. Vous voyez le gazon, il fait très très chaud depuis des jours, il n'a pas plu pendant des jours. Le gazon il souffre un peu, donc voilà. Donc on remet un petit peu comme ça, on va regarder à vue l'application. Donc vous voyez ici en bas où vous voyez que ça clignote ici, donc on peut faire pivoter la caméra. Il y a un micro pour pouvoir parler bien sûr à l'individu, à sa famille ou quoi. Si par exemple je suis dans mon bureau, je parle à ma femme, je peux lui parler. Ou un individu il rentre, ou par exemple si le faisant il reste, donc Dingo d'or veut rentrer dans la véranda parce que je vous dis, un faisan, il est sauvage, hein. S'il est sauvage, il vient du champ, il y en a deux ou trois dans le champ, et il vient se balader de temps en temps. Ici il fait chaud, donc il a besoin un peu d'eau, un peu de nourriture, donc on l'aide un petit peu. Donc c'est aussi marrant de voir un petit animal, un oiseau comme ça, se balader dans son jardin. C'est sympathique. Donc comme ça vous voyez vraiment le vrai Dingo d'or. Donc c'est lui en chair et en os. Donc il se cache un peu là-bas et il est un peu timide. Donc on en était donc dans les paramètres, le micro. Donc là je l'avais laissé activé, donc tout le monde à l'extérieur pouvait m'entendre. Donc ici vous pouvez activer le son en bas, si vous voyez ici, hop. Là bien sûr c'est pour agrandir l'écran, mettre en plein écran. Donc on remet en mode normal. Ensuite vous avez ici toutes les vidéos. Donc moi j'enregistre en 24 sur 24. Donc il faut un certain temps, le temps que ça se connecte. Et là, vous allez voir, les cases vont apparaître bleu clair. Et on pourra cliquer dessus et retourner en arrière sur tel moment de la journée. Donc si je veux retourner à voir ce qui s'est passé à 7 h du matin, donc jusque 8 h du matin, etc. Donc c'est, moi j'enregistre 24 sur 24, c'est à l'extérieur. Donc ainsi, je peux visionner tout ce qui s'est passé. Donc normalement, ça devrait se mettre. Donc peut-être avec l'enregistrement, ça crée un petit bug. Je vais bouger ça parce que j'en ai pas besoin. Donc, bon, c'est pas grave, on reviendra dessus par la suite.
Donc, voilà, il se reconnecte. Donc, il y a un petit temps hein, de connexion, c'est très très léger. Ah, Dagoda revient. Donc, on peut en faire un enregistrement en direct. Comme vous voyez ici, j'enregistre en direct. Je peux, donc j'arrête l'enregistrement, je peux faire une photo. Bien sûr, je peux enregistrer ici et faire une photo en même temps. Donc ainsi, je peux voir. On peut zoomer. Donc je vais arrêter l'enregistrement. On va zoomer. Comme ça, vous pouvez voir. Hop. Donc si on appuie trop vite, c'est vrai. Hop. Comme ça, vous pouvez voir. On peut zoomer. Donc il a un zoom. Donc la caméra est en 1080p. Donc elle a quand même une belle image, donc il va se cacher en dessous du groseillier. Hein. Donc en ce moment c'est la période des groseilles, il peut aller se nourrir aussi tout seul, comme les groseilles c'est un peu trop sûr, nous on n'aime pas trop, donc c'est bien que les oiseaux en profitent. Donc on a été aussi, donc après on va aller voir les différents paramètres, on clique ici, donc vous voyez ici hein, il y a un autre tiroir. Donc vous avez time-lapse. Donc si vous voulez par exemple un moment de la journée qui reprenne le coucher de soleil, etc. Ben, vous pouvez prendre un moment de la journée. Donc vous avez moving tracking. Donc quand vous avez vu que Dingodor s'est approché de la caméra, donc quand Dingodor s'est approché de la caméra, ben vous avez vu la caméra l'a suivi. Donc j'espère que mon petit intro sur le cambrioleur qui s'infiltrait chez moi vous a plu. Donc, c'est pas un vrai, hein, c'est pas un vrai cambrioleur. Je me suis un peu déguisé et hop, et comme ça, j'ai pu vous montrer comment ça fonctionne réellement. Donc, il n'y a pas de trucage, hein, il n'y a pas de montage ni rien, c'est vraiment l'image de la caméra. Donc, vous avez le mode cruise. Donc, ici, vous voyez le mode cruise. Donc, le mode cruise, c'est très simple, c'est le mode croisière. C'est le mode croisière, donc. Elle va prendre 4 points de votre pièce en 360 degrés. Bien sûr, si vous l'avez mis contre un mur, ça va pas le faire. Donc, ça va filmer votre mur à un moment. Donc, ça va prendre 4 points. Donc, et ça va pivoter tout le long de la journée selon ces 4 positions-là que vous pouvez définir. Donc, hop. On bouge parce que là elle se met contre le mur, donc moi j'ai pas besoin de ce mode là. Donc vous avez le small screen, donc vous appuyez là et sur votre smartphone vous allez pouvoir voir l'image. Donc voir l'image donc de votre caméra de surveillance en continu tout en faisant autre chose sur votre smartphone. Donc ça c'est une très très bonne option. Hop, on revient sur la page principale. On reclique ici. Donc vous avez la calibration. Donc calibration, c'est pour recalibrer votre caméra, bien sûr, pour redéfinir par exemple une position précise. Vous pouvez éteindre bien sûr la caméra. Ensuite, on va aller dans les autres paramètres. Vous appuyez sur les trois petits points. Vous avez Video Records. Donc Video Records, c'est toutes les vidéos auxquelles. Donc ça posait problème. Donc on ne savait plus les télécharger à un moment. Donc là, maintenant, apparemment, tout refonctionne. On peut télécharger une vidéo à filmer. Donc vous envoie une alerte. Bien sûr, si vous avez demandé qu'elle vous envoie une alerte. Et cette alerte, bien sûr, se retrouve en vidéo que vous pouvez télécharger. Donc. Moi, je vais prendre aller un moment de la journée, disons un moment du soir. Là, on va pouvoir télécharger la vidéo. Et là, ça vous montre ce qu'il y a eu. Donc là, il y a eu un mouvement des lumières. Donc ça, c'est dû à la voiture qui rentre. Donc, qui a capté la lumière et vous avertit qu'il y a un mouvement suspect. Donc ça c'est Video Records. Donc ensuite il y a l'album.
L'album, donc c'est les. Vous voyez les vidéos que j'ai faites, donc quand j'ai capturé, donc les vidéos ici que j'ai faites avec vous, bah ça les capturait, si vous les retrouvez dans l'album. Ensuite, vous avez les paramètres de la caméra, donc caméra setting, donc alarme setting. Alarme setting, donc vous, c'est là que vous cochez motion alarm, donc pour recevoir les alertes d'alarme, hein, des alertes de détection. Et vous pouvez régler la sensibilité des alertes. Moi, je l'ai mis au plus haut parce qu'elle se retrouve à l'extérieur, mais si vous la mettez dans votre maison à l'intérieur où vous bougez, où vous vivez, soit vous l'éteignez bien sûr parce que ça sert à rien que si vous êtes chez vous qu'elle reste allumée. Sinon, vous la mettez, si vous voulez un enregistrement continu, vous la mettez sur low, donc sur faible, et là il y aura beaucoup beaucoup moins d'alertes. Donc moi, je l'ai mis sur le plus haut comme je vous ai dit. On voit ici, donc moi je l'ai mis sur toute la journée, mais si vous voulez définir une période, par exemple quand vous sortez donc de 8h du matin par exemple, que ça filme jusque 17h, vous pouvez le programmer. Donc ça aussi c'est une très bonne option, mais moi je le mets sur toute la journée. Donc la fréquence des alertes aussi, donc soit vous le mettez sur 1 minute, moi je le mets sur 5 minutes. Donc comme ça, vous avez toutes les 5 minutes une alerte, pas plus que si vous passez 10 fois, donc ça va filmer 10 fois la même chose. Donc voilà. Vous avez donc Smoke Alarm Sound Detection. Donc s'il y a un son de l'alarme du détecteur de fumée, ça va vous envoyer aussi une alerte. Ça va commencer à filmer. Ou une détection si vous avez aussi le détecteur de CO2. Donc ça va aussi vous envoyer une alerte. Bien sûr, il vous faut les détecteurs pour que ça fonctionne. Donc ensuite, on est sur le stockage. Donc pour que ça fonctionne bien, mettez une carte SD dedans, une de qualité qui résiste à la chaleur, qui résiste à la poussière et qui supporte plusieurs enregistrements. Donc c'est pour ça qu'il vous faut une carte SD, donc micro SD de très très bonne qualité. Donc moi vous voyez ici elle est presque pleine, mais ce n'est pas grave parce que elle envoie tout à mon routeur qui garde toutes les vidéos. Donc j'ai programmé le routeur, donc ça envoie toutes les images. Donc même si c'est plein, c'est pas grave puisque tout se retrouve en enregistrement sur mon routeur. Mais pour activer cette fonction-là, on est obligé d'avoir une carte micro SD. Donc ça n'envoie pas directement au routeur sans carte micro SD. Je pouvais le faire avec les IA au Fang, les petites caméras carrées, mais après une mise à jour, ils ont retiré cette fonction-là, je ne sais pas pourquoi. Donc bon, ce n'est pas grave, hein, il suffit d'avoir une carte micro SD, ça fait la même chose. Donc il y a le correction de distorsion, moi je ne l'ai pas activé, je pense que ça perturbe un peu l'image plutôt que ça la corrige. Donc moi je ne l'ai pas activé pour l'instant. Donc le flip image comme ma caméra, donc vous avez vu, donc moi elle est mise à l'envers, donc la case est cochée. Donc le time watermark, donc c'est la position où elle doit rester figée. Quand elle a, une fois qu'elle a fini de détecter un mouvement, elle se remet à sa position initiale. Donc la lumière, donc si vous voulez que la petite veilleuse soit visible ou pas. Donc moi j'ai décoché, j'ai pas envie qu'on voit la petite veilleuse. Et si vous voulez que ceux avec qui vous avez partagé la caméra, votre femme et tout ça, voient. Si vous êtes en train de visionner la caméra, donc ils reçoivent une notification comme quoi vous êtes en train de visionner. Donc ça, vous pouvez cocher ou non. Après, vous avez laboratoire. Donc ça, c'est toutes les petits trucs qui sont en test chez Xiaomi, qui sont pas encore au point. Donc comme vous voyez le petit carré qui était mis sur l'image. Ben, c'est ça parce que moi j'ai coché cette image-là, donc ça détecte et ça vous montre sur le carré qu'est-ce qu'il détecte. Comme ça vous voyez mieux ce que la caméra est en train de détecter. Donc là c'est une fonction aussi sympathique. Donc tout au long de la journée, donc la caméra donc va pivoter un petit peu à la fois.
jusque par exemple 18h, ben elle va être contre le mur, comme ça elle arrête de fi elle filme le mur et elle vous filme pas vous. Donc ça c'est à vous de voir, c'est une fonction quand même sympathique. Donc tout le monde peut avoir son utilité. Donc ça c'est le mode ben, boring, le mode ennui. Donc quand vous, après, donc il est écrit en anglais, hein, après avoir ouvert la Dafeng, elle se met en mode ennui, donc elle commence à tourner sur elle-même. Bon, je vois pas l'utilité, hein, c'est peut-être un petit amusement pour faire tourner la caméra autour d'elle-même. Mais bon, c'est pas un mode qui vous sera utile. Mobile direct connexion. Donc ça c'est si vous voulez vous en servir la caméra par exemple de babyphone ou autre. Donc directement vous allez utiliser le wifi de la caméra pour vous connecter à la caméra. Donc ce sera plus sur votre réseau mais ce sera le wifi de la caméra directement. Donc seul vous qui êtes connecté à la caméra vous pouvez voir l'image. C'est un mode intéressant aussi. Donc on a fait le tour ici. Donc vous avez tous les automations, donc c'est toutes les scènes que vous avez créées. Donc moi j'ai mis une petite notification, mais vous n'êtes pas obligé de le faire, ça se fait automatiquement, mais j'ai rajouté un supplémentaire. Ensuite vous avez les options générales. Hein. Vous pouvez renommer la caméra. Donc dans General Setting, vous pouvez renommer la caméra. Le mode de sécurité, donc rajouter un mot de passe comme ça seulement vous. Donc à chaque fois que vous cliquez sur la caméra, il faudra introduire le mot de passe. Donc bien sûr, vous pouvez aussi utiliser l'empreinte digitale pour que ce soit plus rapide. Donc moi, je l'ai pas activé pour l'instant. Vous pouvez partager bien sûr avec votre compte Mi. Moi j'ai un autre compte Mi ici, hein, donc ça sert à rien que vous le copiez, c'est un compte factice et que je m'en sers hein, pour les vidéos. Et vous pouvez partager aussi avec vos amis sur WeChat, donc c'est un genre de Facebook mais chinois. Donc bien sûr, vous pouvez désigner la pièce où la Dafeng se trouve, moi elle se trouve dans la véranda comme vous avez vu. On peut bien sûr si vous voulez supprimer la caméra, vous pouvez le faire à partir de là. Vous pouvez ajouter un raccourci sur votre écran de votre smartphone. Donc les network info, donc c'est tout ce qui est connexion de votre réseau Wi-Fi, et si vous voulez accéder à distance sur un autre support, donc par exemple avec le mode JDOM, si vous l'avez hacké, ben, vous retrouvez l'adresse IP ici. Donc ils ont rajouté récemment depuis la mise à jour donc la time zone. Pour l'instant, je vois pas l'utilité de ça parce que ça marche pas. Donc vous pouvez aussi faire un feedback à Xiaomi. Donc s'il y a des bugs, le si signaler à Xiaomi, c'est sympa à vous aussi. Donc, ah, y a un abonné qui a besoin de moi. Donc, si vous avez vu, j'ai reçu un email. Donc, on va lui répondre d'ici peu de temps. Donc, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions encore, vous pouvez me contacter via mon blog, bien sûr. Il y a un formulaire de contact ou via YouTube. Faites comme vous voulez, je réponds sur tous les supports ou via Twitter si vous voulez aussi, vous pouvez accéder à mon compte. Donc, on en était ici à la time zone, oui, donc pour voir l'horaire. Donc, vous voyez, c'est toujours sur l'horaire chinois. Donc, il est 21h43 ici, comme vous voyez. Donc, n'hésitez pas à aller sur mon blog, hein, Bon Plan. Donc, je mets des petits conseils. Ici, vous pouvez cliquer pour vous inscrire sur mon compte Twitter. Donc, vous abonner à ma chaîne YouTube, vous pouvez faire aussi via mon blog. Vous pouvez télécharger mon application.
Vous pouvez devenir membre si vous voulez voir votre tête affichée, votre logo, etc. Affiché sur mon blog. Vous pouvez vous abonner et devenir membre de mon blog. Bien sûr, tout est gratuit. Si vous voulez recevoir aussi les newsletters, n'hésitez pas à vous inscrire sur mon blog. Et ici, vous avez le formulaire de contact. Et ici, vous voyez tous les bons plans journaliers. C'est tous les jours mis à jour. C'est un gros travail de ma part. Donc, si vous achetez via mon blog, hein, donc vous payez moins cher grâce au code promo. Hein, vous payez vraiment moins cher grâce au code promo. Et vous financez le blog. Vous financez le blog hein, que je paye. Parce qu'il y a des fonctions que je paye. Et vous financez. De temps en temps quelques achats, mais le blog ne rapporte pas assez. Il fait à peu près 60 euros par mois, ce qui est largement suffisant hein, pour rémunérer. Bien sûr, si je travaillerais pas d'à côté, bah, j'aurais pas grande utilité hein, parce que moi je travaille personnellement, je fais ça pour vous hein, pour vous aider, parce que moi quand j'ai des difficultés j'essaye de trouver des solutions. Donc n'hésitez pas à me demander, je vous trouve toujours les solutions la meilleure possible. Je sais pas toujours trop aider parce que chacun a ses spécificités. Je sais pas le faire aussi à votre place. J'essaye d'expliquer au mieux dès que vous avez un problème. Donc voilà. Donc c'était la petite parenthèse de mon blog. On retourne sur la Dafong. Tout a été dit. Donc merci d'avoir regardé. J'espère que je vous ai éclairé sur certaines des fonctions de la Dafong. On va revoir ici. Au niveau des enregistrements, j'espère que ça va s'afficher. Donc là, vous voyez, on peut voir, donc vous voyez aussi que l'heure, donc là, elle est correcte, hein, donc vous inquiétez pas quand en façade, c'est pas correct. Donc là, vous avez le temps, vous voyez, ça c'est devenu un peu plus bleu foncé. Hop. Donc si mon téléphone se met en mode veille, ça va pas. Donc voilà, hop. Bon, par exemple, je clique sur 2h du matin. On peut regarder ce qui s'est passé à 2h du matin. Et là, vous voyez, je peux en bas, je peux avancer. Et je peux revenir en arrière. Donc, c'est une super fonction. Et bien sûr, si j'ai vu à un moment une chose bizarre, une personne, je peux bien sûr enregistrer le passage qui va se retrouver, comme vous savez, sur le dossier qu'on a vu ensemble. Donc le dossier, je vous remontre. Hop, album. Vous allez dans album et là vous allez retrouver les vidéos. Voyez ici ce qu'on vient d'enregistrer. Donc voilà, donc vous savez tout sur la Dafong. C'est une super caméra. Vous la trouvez entre à une vingtaine d'euros. Même si vous la payez 25 euros, ne regrettez pas. N'attendez pas forcément un code promo. C'est très rare. Elle est fort demandée, cette caméra. Donc, même à 25 euros, ça reste toujours un bon plan. C'est une des meilleures caméras. Moi, à l'époque, je l'ai eu à 14 euros. Je voyais pas l'utilité de l'acheter parce que c'est quand même une grosse caméra. Elle est quand même assez grande. Donc apparemment il y a un nouveau modèle qui devrait sortir, plus petit, qui devrait faire à peu près les mêmes fonctions. Ok, donc vous voyez, elle s'appelle la Wally. Donc la Wally Xiaofeng, donc il n'y a que la tête au-dessus qui tourne, elle est beaucoup plus petite. Go setting. Donc vous voyez la Wally ici. Oh, hop. En coupe, vous voyez la Wally ici, hop, de Xiaofeng. Donc c'est le nouveau modèle. Il est encore en production, il n'est pas encore en vente. Normalement, on n'en trouve pas encore. Donc il faudra encore patienter. Par exemple, sur Banggood, elle était en vente à 48 euros en précommande. Mais là, ils ont arrêté. Je pense qu'ils l'ont mis à 65 ou 68 euros, truc comme ça. Ben, Gearbest ne la propose pas. Donc les préventes de Banggood, faites attention. Souvent, ils font des préventes prix plancher, comme ça vous fait acheter. Mais à la fin, ils vont annuler votre précommande et vous faire payer le prix fort. Une fois, j'ai attendu comme ça un objet.
5 mois, si pas 6 mois. Donc mon argent traînait chez eux, donc ils font fructifier mon argent. Et au final, ben, j'étais perdant, hein. J'étais perdant, ils ont annulé la commande. Même si j'ai dit n'annulez pas la commande, bien sûr, ils l'ont annulée quand même. Et le lendemain, elle était en stock. Donc c'est vraiment pas honnête de leur part. Sinon, Banggood reste quand même une bonne boutique, moins que Gearbest d'après moi. J'ai une collaboration avec Banggood, mais je vous propose pas souvent. C'est très très rare que je vous propose des bons plans sur Banggood, parce qu'en général c'est légèrement plus cher que Gearbest. Et parfois je vous propose les caméras etc. sur AliExpress. Parfois il y a des ventes flash qui dure quelques heures, hein. Donc là, ça dure que vraiment quelques heures, contrairement à Gearbest où ça dure 2, 3 jours, 5 jours. Sur AliExpress, c'est vraiment un jour et encore. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Un grand merci d'avoir regardé. C'était Dingo Dorwan. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous bien sûr à mon blog. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. À la prochaine. Feeling like I got some vertigo. Should I jump, should I stay, or baby, should I go? You know that I'm falling for you. Oh, baby, I'm falling for you. Saying I should not be looking down. Looking left, looking right, up, down, you're all around.